Salut, bonjour, bonsoir, selon le temps que vous allez recevoir cette vidéo. Et nous sommes toujours dans l'ambiance de birthday. Pourquoi? Parce que nous allons recevoir Monsieur De Gomez, le mari de notre soeur qui a fêté son anniversaire aujourd'hui, pour nous donner son point de vue vis-à-vis de l'anniversaire de sa femme. Et c'était une surprise parce qu'elle ne s'attendait pas qu'elle devait avoir beaucoup de souhaits à travers HD Vision Pro TV. Alors, une fois de plus, c'est Jacques Mabiala, Coolfinger, Mafula, Mampandu, en N Congo aux USA. Et je suis devant vous pour toujours dans le souci de vous informer. Et notre plateau est ouvert à toute la femme qui demandera notre service. Cela est mis en service de notre diaspora. Quand je parle de diaspora, diaspora africaine. Donc voilà un peu ce que je pourrais peut-être vous dire. Vous savez bien que notre émission sont toujours produites par Africa Angola Production et le HD Vision Studio. C'est un studio, c'est un plateau où les gens peuvent intervenir. Cette fois-ci, nous allons partir à Maryland, justement à Frédéric, pour appeler notre frère De Gomez, afin qu'il puisse nous donner des impressions de ce qu'il a senti à l'occasion de l'anniversaire de sa femme. Et vous avez constaté avec moi qu'il y a eu beaucoup de vidéos qui sont tombées sur la table de HD Vision Studio, je pourrais dire le desk de HD Vision Studio. Beaucoup de gens ont appelé partout, aux États-Unis, en France, en Angleterre, au Mexique, au Canada, en Afrique, je pourrais dire au Maroc, l'Angola, et nous avons à Kinshasa et Brazzaville. Donc cette dame-là, c'est une dame qui est vraiment beaucoup connue. Vous avez vu même comment il y a eu toutes les races confondues. Hein. Donc voilà, pour l'instant, nous allons appeler son mari pour lui demander des impressions de ce qu'il a vécu concernant l'anniversaire l'anniversaire de sa femme. Une fois de plus, merci beaucoup de choisir HD Vision Studio, car HD Vision Studio, c'est la... Ok. Nous attendons qu'il puisse répondre. Allô? Oui, allô? Oui, allô, monsieur, à qui j'ai l'honneur? Oh, c'est monsieur De Gomez. De Gomez, De Gomez, Goma. De Gomez, Mobali, à maman Clara Ngoma. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Merci beaucoup, monsieur De Gomez. Hier, on a essayé un peu de vous poser certaines questions, mais malheureusement, on avait un problème technique, si bien que vous n'étiez pas vraiment, la voix n'était pas vraiment bien fiable, si bien qu'on était obligé de couper. Aujourd'hui, nous revenons encore sur notre desk pour vous poser un certain nombre de questions. Alors, comment était la journée du 4 février 2021? Bon, mais la journée... D'abord, je vais dire merci à HD Vision, l'un des plus grands studios de la zone métropolitaine de Washington. Mm-hmm. Merci HD Vision pour m'avoir donné le micro. Donc, pour revenir à la question, je dirais que la journée du 4 février a été très merveilleuse. Mmh. Hier, le 4 février, nous avons célébré les 40 ans de vie sur Terre de mon épouse, Clara, Madame Goma. Mmh. Et donc, comme je disais hier, Madame Goma, c'est la plus belle de toutes les femmes. Ah là, tu auras des problèmes avec nos sœurs. Hein. Sache-le bien que les jours que tu vas vous rencontrer quelque part, ils vont monter sur votre dos. Hein. Ah, d'accord. Et donc, je disais encore hier que Madame Goma était la plus tendre de toutes les mamans. Et que
plus gentil que elle, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mm-hmm. Et donc, pour son anniversaire hier, pour son 40e anniversaire hier, ça méritait d'être fêté, d'être célébré. Donc, malgré la crise sanitaire mm-hmm. qui a été imposée par le Covid. Alors, permettez-moi de vous couper, on a remarqué, nous, dans notre studio, on a remarqué qu'on a reçu beaucoup de vidéos venant presque dans le monde entier, hein, parce qu'on a eu des vidéos venant du Canada, de la France, de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Allemagne. En Afrique, il y a eu l'Angola, il y a eu Mozambique, Sud-Afrique, Brazzaville, Kinshasa, et ici, il y a eu également ici aux États-Unis et au Mexique. Alors, pourquoi cet engouement-là de chacun d'eux précipiter pour souhaiter un happy birthday à votre femme? Est-ce que votre femme fut une star ou comment? Ça, c'est une très belle question, S-Division. Mm-hmm. Ça, c'est une très belle question. Mm-hmm. Mais la réponse est claire. La réponse, c'est quoi? C'est que ça veut tout simplement se traduire par sa gentillesse mm-hmm. et sa sympathie. Partout où Mme Ngoma est passée, mm-hmm. elle a sémé de l'amour. Alors, vous savez bien que moi, quand on sème de l'amour, mm-hmm. on récolte de l'amour. Mm-hmm. Donc, toutes ces vidéos qui ont commencé par pleuvoir du sud au nord, de l'est à l'ouest de l'Afrique, en passant par l'Europe, en Australie, au Mexique, au Canada, en Amérique du Nord, c'est le fruit de l'amour qu'elle a eu à s'aimer. Mm-hmm. Et donc tout le monde se réveille pendant ses 40 ans d'anniversaire pour lui rendre aussi l'amour. Ok, en tout cas vraiment, ça on a constaté ça, on a vu ça. Et même parmi les membres de mon équipe, s'est posé parfois des questions. Il y a eu des blonds, il y a eu des métis, il y a eu des latinos. Ça traduit vraiment l'amour. Alors, pourquoi vous avez choisi H-Division Pro TV pour présenter l'anniversaire de votre femme? Pourquoi vous avez choisi tout simplement le H-Division Pro? Bon, H-Division, comme je l'ai mentionné pendant mon introduction, mm-hmm. H-Division, c'est l'un des plus grands studios dans la zone métropolitaine de Washington. Mm-hmm. H-Division a fait des preuves que tout le monde a vues. Mm-hmm. Tous les événements, petits ou grands, qui sont passés ici dans la zone métropolitaine de Washington, mm-hmm. H-Division a toujours été présent. H-Division a couvert les événements politiques, les événements sociaux, les grands mouvements sociaux, les événements politiques. Partout, on a vu H-Division. Donc, H-Division a laissé des traces et H-Division continue à faire ses preuves. Merci. Donc, quand il y a un événement comme ça, par exemple pour célébrer les 40 ans d'anniversaire de ma femme, mm-hmm. je ne peux que me rebattre auprès de H-Division parce que j'ai confiance. Merci beaucoup. Je pense que merci, ça nous va droit au cœur. Et je voulais aussi demander, est-ce que vous avez un mot particulier à l'endroit de nos sœurs et frères qui ont fait des vidéos pour souhaiter à votre femme de bons souhaits pour son anniversaire? Est-ce que vous avez un petit mot pour s'adresser à eux? Je dirais merci, merci à tout le monde, à toute la famille, à tous les parents, à tous les frères et sœurs, mm-hmm. à toutes les connaissances qui se sont manifestées pour témoigner leur amour à l'occasion de l'anniversaire de mon épouse.
Ça me va droit au cœur. En tout cas, vraiment, je dirais merci. Une fois de plus, merci pour ce qu'ils ont fait. Et aussi, merci à Etudivision. Okay. Parce que sans Etudivision, ça ne pourrait pas se réaliser. Merci beaucoup, mon frère. Merci du temps que vous avez voulu passer avec nous. Est-ce que la dernière question, très simple, et je demanderai que vous me donniez une réponse très simple. Monsieur Gomez. Oui, je suis là, monsieur. Je vous ai appelé trois fois. Chez nous, en Afrique, quand on vous appelle trois fois, c'est significatif. La question qui est très simple, si c'était à refaire, quelle serait votre position par rapport à votre femme? Aïe. Ça, c'est une question vraiment très compliquée et très complexe. Non, c'est bon, pas très simple. Je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre le plus simplement possible. OK. Si c'était à refaire, j'épouserais ma femme. OK. Les yeux fermés. OK. Et si c'était à refaire, je multiplierais la dot par 10. En tout cas. Donc, ça veut dire que ma femme, je l'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. On a vu ça, nous avons tous constaté la manière où des amis de votre femme ont manifesté leur joie pour souhaiter un bon anniversaire à votre femme. Une fois de plus, merci beaucoup, Monsieur De Gomez, de nous avoir donné ce temps-là pour vous poser quelques questions. Et je pense que la fête continue durant ce mois de février. La fête est la fête, c'est toujours la fête. Dommage qu'on ne peut pas se retrouver pour partager un pot, mais par l'esprit, on est ensemble. Merci beaucoup. Et publier votre. Comment dirais-je, il y a une chanson qui a été dédiée pour vous. Je pense qu'après cette interview, nous allons passer cette chanson afin que les gens écoutent, entendent comment ces deux garçons. Mama Clara ya koseba, matama ya kokoto, nala mima Clara, loko la porta lola. Akokotisa papa gomezi na lola ye, jempe. Mwana ya kumona zami na bala shedu, jempe. Mama Clara, mataki mwame. Mama Clara, papa gomezi, papa gomezi, naboli mototo mama bebe. Mama Clara la bele, naboli mototo mama bebe. Ah, Mama Clara. Mama Clara le na papa Gomez na ye. Papa Gomez pe ya le na mama Clara la belle. Na ka te ta sini kuna malili. Malili apoto ye biso na kaka na fuika. Lo pote mere mama Clara le zo enza nda sere. Yoka mume solo papa na riche. Mama mungele mwate ya kiro mwambe.
Wow, merci infiniment pour vos merveilleux souhaits d'anniversaire. Cela m'a fait grandement plaisir. Je vous aime tous. Merci. Fouillez-le de baille. Fouillez de baille. Jizo. Fouillez-le de baille. Fouillez de baille. Poto soit na talent. Poto loba talent.